Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Marseille, au Congrès mondial de la nature, et je vais vous parler de biodiversité. Ce n'est pas un mot qu'on associe naturellement aux armées, mais pourtant c'est très important pour nous, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que les modifications de la biodiversité ne sont pas seulement des phénomènes biologiques, ce sont des événements stratégiques. Je vous donne un seul exemple. Au ministère des Armées, nous étudions le déplacement des bancs de thon via le plancton dont ils se nourrissent. Pourquoi on le fait ? Parce que nous faisons de la police des pêches et que nous avons besoin de prédire où seront les prochaines zones de conflit autour de ces ressources halieutiques. La deuxième raison, c'est que le ministère des Armées est le premier propriétaire foncier de l'État. Nous avons 275 000 hectares de terrain sur lesquels on trouve énormément d'espèces végétales et animales uniques. Nous avons donc un devoir de les préserver. C'est ce que nous faisons par exemple avec le gypaète barbu, un rapace en voie d'extinction, que nous protégeons en demandant à nos pilotes d'hélicoptères d'éviter leur zone de nidification. Depuis 5 ans, nous avons multiplié par 12 le budget alloué à la biodiversité et ce seront près de 4 millions d'euros qui y seront consacrés en 2022. Bonne fin de semaine et à très bientôt.